Dans un portrait, il y a différents visages. Et vous, accepterez-vous de vous le faire tirer? Ou préférerez-vous l'art du maquillage à celui des crabouillages et des portraits? Tout craché. Une fille fait irruption dans un photomaton et tire le rideau sans se poser de questions. Et là, ni une ni deux, elle refait son chignon et agrafe sa chemise jusqu'au dernier bouton. Elle enlève ses lunettes, se mouille de la poudre aux yeux pour faire ressortir ses jolies billes toutes bleues. Fait tourner le tabouret et met son jeton et se concentre en attendant les instructions. Ça y est, maintenant elle est prête pour la consécration. Et d'un hochement discret de la tête se dit c'est bon. Fait du plus beau sourire et prend la position, attendant que la machine veuille passer à l'action. Je marchais un matin dans les rues de Paris quand soudain, vision aussi surprenante qu'imprévue d'une autruche qui attendait son bus. Je me suis dit, est-ce que j'ai des hallucinations ou n'est-ce que le fruit de mon imagination qui me permet de voir Paris d'une autre façon? Ok. Qui s'y frotte, s'y pique. Mesdames et messieurs, voici Paris tropique. Marchais en chantant sur le pont Alexandre. L'air du matin avait des senteurs de coriandre. Un dromadaire blanc d'un pas désabusé s'éloignait lentement vers les Champs-Alysées. Des otaries au corps noir comme de l'ébène a mis le plongeon dans les eaux de la Seine. Et dans les grands palmiers le long du quai d'Orsay, des singes bleus et or en voltigeant dansaient. Les millionnaires, ça pousse par grappe, ça pousse par grappe et ça donne de beaux bébés. Les actionnaires, ça pousse par grappe, ça pousse par grappe et ça donne de beaux bébés. Le bouclier fiscal, salle des marchés, Nasdaq, instantané portrait. Hey! L'atmosphère, un coup de foudre, un enchantement, une passante, une chimère. Je me dis tout bas, quel sentiment platonique et envoûtant, à la folie, passionnément, une sensation douce amère qui ne dure qu'un instant. Quelle est cette impression légère, ce quelque chose de troublant? Qu'y a-t-il dans le placard? La question est posée. Qu'y a-t-il dans le placard? Qui est entré sans frapper? Un secret bien rangé aux douze coups de minuit vient nous hanter, distillant le parfum du temps qui s'est arrêté.
la tête des mauvais jours flanqués. À ce que je vois, c'est pas la fête, mauvaise tête. La tête des mauvais jours, ça y est. T'as le moral dans les chaussettes, les zygomatiques en compote et l'adrénaline au taquet. Mais quelle mouche t'as piqué? On pourrait croire que t'as fumé la moquette. Détends-toi, arrête de râler, souris au lieu de t'entêter. La bonne humeur viendra peut-être. Ne fais pas la tête, chante à tue-tête. Demain sera un autre jour, c'est promis, juré. On reste en tête à tête avec ton portrait tout craché. Rebecca s'ennuie toute seule chez elle, et la nuit elle a froid. Rebecca ne s'endort pas, elle attend, elle espère qu'un jour son prince charmant viendra et l'emmènera, l'aimera.